à 12 ans. D'accord. 14 ans. 14 ans. Chez les religieuses de Rougé. 12 ans. 2 ans. 12 ans. D'accord. Jusqu'à 16 ans. Oui, bien. Et après, j'ai fait 3 années d'apprentissage. Je suis là. Jusqu'à 12-13 ans, plutôt. 14 ans, l'âge du certificat. 14 ans. 13 ans. Travailler à la ferme, aller traire les vaches le matin, on se levait, et puis on prenait un petit peu de café, et puis on allait traire les vaches. D'accord. Moi, jusqu'à 14 ans, là, j'étais chez les bonnes sœurs. On avait une semaine de corvée, l'escalier du dortoir à la cuisine, la vaisselle, le pain, c'était nos corvées de pensionnaires. Alors, il fallait qu'on va à l'école jusqu'à 14 ans. Mais alors, les deux dernières années d'école, alors on me retirait à la Toussaint, on travaillait, et je repartais après Pâques, à l'école. Alors, j'avais toujours 6 mois, un bon 6 mois. Alors, je ne pouvais pas suivre les autres. C'était pas possible de suivre quelqu'un d'un message, quoi. Ma vie n'a pas été au début, j'ai perdu par mon père. Alors on était cinq enfants. Alors chacun, quand il grandissait, partait chez les autres travailler. Oui, oui. Avec mon frère et un voisin qui était de notre âge, et ben on s'amusait avec le petit poulain. Mais on courait parce que la jument, elle ne voulait pas qu'on touche au poulain. Alors nous, on courait, ben on était échauffés. Et puis il faisait chaud. Et ben ce que j'ai fait, j'ai été me laver à côté, là, dans la ferme d'à côté. Il avait une grande auge là. J'ai été mettre les pieds dedans pour me laver. Eh ben oui, mais a fallu le docteur après parce que j'ai fait comme un genre de congestion au départ. Étranglée de nichet de petits toits. Je dis, maman, viens voir tous les petits pipis sur le dos. Oh ben j'ai envoyé une bonne sœur là, un 1er avril chez des gens, alors qu'il la demandait pas. Et puis elle est mal tombée parce qu'il y avait des Américains chez ces gens. Il y en a tellement pour en trouver une. Ouais, je me rappelle, c'était en hiver, il y avait une paire de sabots galoches à tout neuf, des chaussures toutes neuves. Et puis en allant à l'école, et ben, j'avais peut-être fait 100 mètres de chez moi, là, je faisais boules de neige, on tapait dans les boules de neige, et puis je tapais une boule de neige, j'avais un caillou, ben, la semelle. Fondu en deux. Alors, quand il a fallu rentrer à la maison le midi, il y a une engueulade et là d'où il y a eu les deux. Ouh là là, les pires bêtises, eh ben, c'est d'avoir frappé une copine qui s'appelait Poisson et qui était toujours en train de m'appeler ah, la zéro, la zéro. Alors pourquoi zéro? Parce que je m'appelais Héro. Voilà. Alors, comme j'en avais marre, ben, je lui ai flanqué une paire de claques. Mais la mère est venue à l'école et qui m'a tiré par l'oreille. Mais elle ne m'a pas fait mal aux oreilles, moi, parce que j'étais dure, alors. Petite bêtise. Ah. On était bien tout mélangé, les garçons, les filles, et puis tout. On s'ensemblait tous. Ouais. Et puis j'avais pris un lance-pierre et puis je l'ai lancé dans une autre voiture. Je me suis fait engueuler. J'en ai encore les souvenirs. On avait un berger allemand qu'on a eu au départ. Et puis après, mes parents avaient perdu leur chien. Alors on leur a donné. Ben, c'était intelligent, un chien.
chien. Le chien, le chat et tout. Ah ben Minet, le chat, c'était des Minet, puis le chien, il y avait, comment déjà, comment il s'appelait, le petit rigolo, là, le petit blanc. J'en avais plus des noms, moi. Donc, le chien. Chez mes parents, on a toujours eu un chien. D'accord. J'en ai eu 4 chiens. Ils sont tous morts de leur vieillesse. Ah, il y a eu Tuki, Snoopy, Taki, et puis Snoopy encore. Les chats, c'était bien, mais le siamois que j'ai eu, il était infernal. D'accord. Il faisait pipi dans le lit. Ah. Et quand je changeais tout, il revenait. Oh, le coquin, celui-là. Un chat. Un chat. Un chien. Un chien. J'avais les deux, moi. Je voudrais bien. Bah oui, mon chien. Et moi. J'avais une chienne qui s'appelait Coquine. Tiens, moi, mon chat, c'était un mot un peu déformé, c'était des Landes. Un patois, la Gareste. On a eu un chien, mais qui était un chien de chasse. On n'avait pas de jouets, à l'époque, on n'avait pas de jouets. Eh bien, ce qu'on faisait, quand on trouvait des ajouts le long des ruisseaux, on s'amusait à faire des tresses, on faisait des tresses. Et bien, ou bien, nos parents nous avaient appris à faire des chaises avec des ajouts, ou bien avec de la ficelle et des bouts de bois. Avec du foin, on croyait, on faisait comme une batterie. Parce que moi, j'avais une poupée. Et puis mon frère avait un grand cheval, lui aussi, mais ça restait à la maison. Quand on allait en champ, on n'emportait pas ça. Hein. Il fallait aller garder les vaches. Hein. Ah. Moi, j'étais à la ferme jusqu'à l'âge de 20 ans. Mais pour cet enfant, on n'avait pas besoin à la ferme. Les poupées. J'en avais pas beaucoup. On n'avait pas beaucoup de jouets, alors c'est difficile de répondre. Quand on avait une poupée. On était 9 enfants, nous, on ne savait pas ce que c'était que d'avoir un jouet à la maison. On jouait entre nous comme ça. On jouait à la marelle, à cache-cache, comme on disait. Cache-cache. Moi, j'avais le travail manuel. J'avais mes mains, elles voulaient faire tout faire. C'est la peinture, le dessin. Parce qu'à l'école, à la remise des prix, on me faisait faire des programmes et on me disait vous faites les dessins que vous voulez. Ah non, pas moi. Oh non, moi non plus. Je m'en ressens encore. On ne pratiquait pas de sport à l'époque. Non. On a à la cour, quand on était à l'école, eh ben, c'était jouer à la corde. Oui. C'était des cordes qu'on avait, ou bien à la balle, ou bien au chat perché. C'est là nos jeux qu'on avait. On faisait assez du sport à la ferme. Oh non, bah non, les bonnes sœurs ne voulaient pas qu'on se mette en chose. Déjà, au certificat d'études, le prof qui était là, il a dit bah, avec la taille qu'elle fait, elle aurait certainement sauté plus haut. Mais... La gymnastique à l'école, là. Autrement, ben, j'avais commencé à faire du karaté, mais j'ai arrêté. Mais maintenant, ça ne serait pas pareil. Si j'étais jeune, je le pratiquerais. Le football, ça m'a intéressé pendant un temps. Mais c'est surtout la danse classique. J'ai fait 18 grands voyages. J'ai été en Italie, j'ai été en Autriche, 8 jours en Autriche. J'ai été allé 2 fois en Espagne. La première fois que je suis allé en Espagne, c'était, ils faisaient les préparatifs pour les Jeux Olympiques. Ben, j'étais en Hollande. Oui. J'ai fait Rotterdam, j'ai fait tout ça. Oui. En Italie, en Espagne, le tour de la Bretagne, et, ben, en Espagne c'est Barcelone, et puis l'Italie c'est la frontière italienne, la Suisse est très belle.
Ah non, pas moi. Moi, mais j'étais mariée, hein, j'étais plus âgée. Oui, moi j'ai beaucoup voyagé. Tous les pays, moi, il y a du charme un peu partout. Moi, à Lourdes, dans les Pyrénées, le plus loin que j'ai eu. Mais moi aussi. Vous n'avez pas pris le chemin de Compostelle aussi. À l'étranger, j'ai été en Autriche, j'étais au Danemark, 8 jours, visiter les exploitations agricoles. Et puis, alors, j'étais en Suède d'un coup. Puis, alors, pour voir la différence qu'il y avait entre le Danemark et la Suède. Oh, ben, l'Autriche, c'était différent. C'était un voyage de promenade. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est toujours, ça a été l'agriculture. Déjà, j'étais dans le nord, j'étais à la limite de la Belgique. J'étais chez une amie à Marseille et autrement, mes vacances, je les ai passées chez mes parents. À part la Pologne, après que j'ai fait 5 fois, parce que je parle couramment la langue, et encore maintenant. Doblé, toujours. Jane, séjour. Doblé, c'est bon. Et puis, merci. Et comment merci? Jekuye. Chepracham, pardon, on dit souvent Chepracham. La Vierge Matka Mosca. Nous, ce qu'on avait pendant la guerre, on s'amusait entre les gens du village. Il y avait une dame, son fils était emprisonné, mais qui avait un phono. Alors elle mettait son phono, ah oui. Et puis voilà comment on a appris à l'entrer au son du phono. L'Algérie a complètement cassé notre jeunesse. Oui. À de 20 ans à 22 ans, 22 ans et demi, on venait, on avait 22 ans et demi, on pensait. Ça a vraiment brisé notre jeunesse. Hein. Heureusement qu'on avait profité avant. Une élection à Val du Muguet, à Tillet. Ah. Et puis là, il élisait une graine, et puis ça a été moi. Aller faire tous les travaux dans les champs, planter des choux, planter des betteraves. Quand c'était la saison des foins, il fallait aller faner, parce qu'il coupait, mais il fallait aller faner. Et puis mettre après dans la charrette, faire des charrettes de foin. C'est ce que je n'aimais pas trop faire, parce que j'avais toujours peur que ça glisse et que ça tombe après. Non. Il n'y avait pas le bien de faire, il n'y avait rien à faire. J'ai travaillé dans une usine, une filature à Tourcoing. Je suis restée un an chez mes parents et j'étais dans une usine à Nantes. Ils avaient une mine de fer chez nous, à Bonnefontaine, minerai de fer. Et puis à Nantes, ils faisaient les boîtes de conserve. D'accord. Vide que les boîtes. Oui, et puis j'étais contre-visiteuse là. Moi j'étais enfermée. Mmh. Moi tout de suite j'étais si vous voulez. Moi j'étais fonctionnaire, je travaillais dans les PTT. Mon mari, il m'a embarqué autrement, il était boulanger. Employé de maison. D'une maison bourgeoise. À Nantes. Oui. Moi j'étais ajusteur, outilleur, affûteur. Celui que j'ai préféré, c'était affûteur. Ça m'a servi beaucoup dans ma vie privée pour bricoler. Quand je voulais faire du bricolage à la maison, j'avais beaucoup de connaissances. Pour travailler aussi bien le bois que la ferraille. Avant, c'était chez mon oncle, on était heureux. Et après, et chez le père à charge, j'ai été réfugié chez eux. C'est bizarre, mais c'était comme ça. J'étais donc réfugié chez eux. Quand j'ai arrivé là-bas, ce père, il m'a mis soin de vache directement. Des vaches que je connaissais pas rien du tout. Je me dis, je tremblais. Ouais. Je connaissais pas le bonhomme, rien du tout. Et bien, je tirais les vaches.
Et puis après, ben, avec Charles, on allait couper les patates pour donner à manger aux vaches et tout ça. Mais c'est pas pour ça qu'on a eu un grand amitié ensemble. J'avais 12, 11 ans, je mettais les vaches à un pré, et à côté j'avais un élève, un gars de l'assistance publique qui passait ses vacances chez un voisin qui avait une bonne vache normande. Eh bien, ce gars-là qui était un génie extraordinaire, eh bien, il avait attaché un sac à la queue de la vache, mais pas sur la queue, au poil, hein, bien comme il faut. Il s'asseyait sur le sac et il me dit comme ça, viens donc, j'avais peur quand même, mais j'ai monté. Hein. Et puis la vache, elle avançait pour pâturer l'herbe, mais elle n'en faisait pas de corps, hein. Elle avançait et pâturait l'herbe. Hein. Mais moi, je regardais plus haut, parce que je dis, si tout d'un coup, elle envoie des projectiles. Mais ce qui m'a marqué, c'est quand on couchait pas chez... La mère ne couchait pas dans sa... où elle était locataire. On allait coucher à Ville-Marie, alors... Et le matin, elle arrive, et voilà... un canon qui était dans un terrain, dans un jardin à côté, et puis elle voit un grand trou dans sa maison. Oh, elle me rappellerait tout le temps ses paroles. « Oh, mon armoire !» Films, là, il est porté des beaux films comme La Grande Patrouille. Les... Oui, Bourville, j'aimais bien. Et puis Fernandelle, là, avec Bourville, là, La Cuisine au beurre. Je crois que j'ai regardé beaucoup de films de d'Alain Delon, de Bourville, parce que Bourville, avec le rosier de Madame Husson, j'ai ri et je l'ai revu. Je ris autant. Lui, Bourville, il savait nous faire rire. Il n'y en a plus comme ça, malheureusement. Le chanteur préféré, c'est Kenji. Tino Rossi en premier. Tino Rossi, et puis tous les autres chanteurs, j'aimais bien les chanteurs modernes. Mais celui que j'aime bien à l'heure actuelle, c'est Franck Michael. Et il y a Rock Voisine, et puis il y a Frédéric François. Kenji Girac, je l'ai vu en vrai. Ah ben, on avait Tino Rossi. J'avais une famille de chanteurs. Alors, on a entendu pas mal de chansons, de toutes les couleurs. Bah, Tino Rossi, le premier, bien sûr. Autrement, je me souviens. Moi, c'est l'accordéon. Moi aussi, c'est l'accordéon. Moi aussi, l'accordéon. Oh, ben dis donc. Mon mari jouait de l'accordéon. C'est comme ça qu'il vous a séduite, je parie. Oh. Moi, j'ai toujours bien aimé l'accordéon. Bon, et j'aimais bien la danse. Tous les jours, 20 ans, ça ne nous arrive qu'une fois seulement. C'est pourquoi on peut faire des folies. Ça se passe trop vite. C'est pourquoi on peut faire des folies. Si le patron nous fait des gros yeux, on verra. Faut bien rire un peu. Tant pis si vous n'êtes pas content. On n'a pas tous les jours 20 ans.